Pour donner un avis autorisé, il va falloir faire des sondages dans la structure et donc tester la solidité des parois de béton qui sont construites et qui soutiennent en fait la dalle sur laquelle circule le tram. Donc nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'avoir un pronostic de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois pour l'arrêt des circulations, malheureusement. Première fois que les personnes détenues avaient cette modalité de vote qui leur était offerte, puisque jusque-là, ils avaient juste la possibilité de pouvoir faire une procuration à l'extérieur comme une personne lambda et bénéficier d'une permission de sortir pour les personnes détenues qui étaient condamnées.